Les sourires de ce matin ne sont plus de mise. La liste de Charles Giacomi termine bonne dernière de ses territoriales. Avec un score de 3,28%, le maire de Prouno essuie un indéniable revers. En 2015, le Front National avait réuni plus de 14 000 voix. Deux ans plus tard, il ne compte que 3 917 électeurs, soit une baisse des deux tiers. Le déficit de renommée de Charles Giacomi n'explique pas tout. En 2015, Christophe Cagnoni, le candidat du Front National, n'était guère plus connu des électeurs, ce qui ne l'avait pas empêché de dépasser la barre des 10%. Pour cette élection, une chose est sûre, Charles Giacomi n'a pas bénéficié de la dynamique qui portait le FN en France il y a 2 ans. La preuve, le soutien de Marine Le Pen, venu en Corse fin novembre, ne s'est pas traduit dans les urnes. En 2015, avec 4 élus, le FN avait signé son retour à la CTC après 25 ans d'absence. Un retour qui aura été de courte durée. Le 1er janvier 2018, la nouvelle Assemblée de Corse ne comptera cette fois aucun représentant du Front National.